l'histoire a commencé d'un point de vue innovation à la collaboration qu'on a établie il y a plus de 4 ans avec l'INRA de Tours, avec le professeur Mustapha Berri. On a été très surpris des résultats que nous avons obtenus. C'est-à-dire que le produit qu'on avait entre les mains, nous l'avons testé sur une cinquantaine de pathogènes qu'on retrouve dans des élevages de poulets, de porcs et de bovins. Le deuxième volet que nous avons voulu explorer, c'était est-ce que ce produit pouvait stimuler la réponse immunitaire, stimuler ce qu'on appelle les défenses immunitaires. Nous avons constaté que le fait de mettre ce produit en contact avec les cellules, il déclenchait la production de médiateurs de l'immunité, la preuve comme quoi ce produit avait une vertu de stimuler la réponse immunitaire. On a breveté notre molécule, ce qu'on a appelé MSP immunomodulateur, qui a eu la particularité de nous démontrer in vitro et également in vivo et sur le terrain, donc par l'utilisation auprès des vétérinaires, la réponse animale directe sur différents types de challenges, comment on pouvait avoir des effets directs sur l'immunité innée et adaptative. Ce qui a été le plus marquant pour nous dans la pratique des solutions à base d'algues, je dirais, ça a été des expériences terrain très concrètes, des situations dans lesquelles on a très peu de solutions finalement. C'est notamment lorsqu'on a des passages viraux. Et quand on a un passage viral aujourd'hui, on essaie d'éviter les surinfections, on essaie d'accompagner les animaux pour faire en sorte que ce stress lié au pathogène se passe le mieux possible. Et on a trouvé sur un produit, en l'occurrence le sirop, un produit qui répond totalement à ces situations d'attaque virale. Je pense notamment en poule pondeuse, quand on a des chutes de ponte constatées sur des passages viraux, en reproduction également. Et pour nous, c'est un produit totalement satisfaisant. Et je dirais d'autant plus satisfaisant que les éleveurs, une fois qu'on les a utilisés, sont demandeurs. Donc c'est pour nous l'idéal.